centre de la galaxie, au cœur du système solaire, se trouve un quartier en mauvaise posture. Oublié du monde entier, ses habitants sont tombés dans la mauvaise habitude de ne plus se parler, de ne plus se regarder, de ne plus rigoler. Heureusement, je suis là. Le génie interstellaire, le chargé de relations humaines intergalactiques qui va essayer de rétablir l'ordre et la tranquillité dans ce patelin. Ouf, ouais, je suis fatiguant. Bon, une seconde pour traverser la galaxie, 53 secondes pour me présenter, 3 minutes 24 pour parler des personnages et 21 minutes pour parler de ce film. Oh là, je suis en retard. 8h02, l'heure des familles nombreuses. Ah, famille nombreuse, famille heureuse, famille rieuse, forcément partageuse, quelquefois nerveuse. Oh là, en voilà une boudeuse. L'heure des chiens ou des vieilles dames? Est-ce Thérèse qui tient la laisse? Est-ce Phil qui tire Joséphine? Ou est-ce Fido le maître de Margot? En tout cas, ces couples-là, ça fait longtemps que ça dure. Et il faut dire qu'ils ont de l'allure. Ah, l'heure qui scintille. L'heure des jeunes filles qui sentent bon la vanille. Ah, j'oubliais, l'heure des fillettes, jamais inquiètes, toujours prêtes sur la bicyclette. h 45, voici l'avant-dernier acte. L'entrée des bandes qui, sans être des gangs, ont bien de la langue. Les petits, les moyens et les grands, tous moulés bien comme il faut, vous mettre la place en porte-à-faux. Stop! Dans cette histoire, il faut plus que des arrêts sur image. Je ne sais pas si cela fera quelque chose, mais des personnages magiques, c'est toujours bon à sortir. h 45 46 47 48 49 50, l'heure pétante, celle qui hante, celle qui épouvante. Je crois, vous me rendez cardiaque, je suis déjà tout pas prêt. Qu'est-ce que c'est ce Big Mac? Allez manger un Big Mac avant que je vous plaque contre un amas. Je vais finir par avoir une attaque à cause de ce bruit démoniaque. Si je tiens de tac au tac au lieu de m'acheter des tic tac, je me choisirai une baraque à la taille. Comme ça je pourrai prendre la taille. Pour moi j'ai qu'à l'opaque. J'en ai ma classe, vous êtes des maniaques. Attendez que je vous attaque.
Yon est mort. Quoi? Mais je n'entends rien avec de tout ce tintamarre. C'est vrai, il y a un bruit là, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore ces gosses? Quoi, mes gosses? Ce sont toujours les miens qu'on accuse. Les gosses de qui? Arrête de me balancer la poussière sur la tête, c'est impossible, la femme. Allez, arrêtez, on va discuter. Oui, descendez, je vous fais le café. On va bien venir prendre ton mère, quand même. Ouais, c'est mignon, on ne sait pas. Quand même, avec ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'elles ont à crier? Elles vont pas s'y mettre aussi. Déjà que ça chauffe pas mal. Oh là là, ça dégénère. Il faut vraiment trouver une solution. T'as raison, oui. Il faut passer à l'action. Détermination. Motivation. Mobilisation. Révolution. Motivation, mobilisation, révolution. Mettre la lumière pour pas me faire remarquer. C'est pas grave, on y verra plus clair demain. Un bruit suspect dans la nuit, et voilà le soupçon reparti. Est-ce la vieille dame qui n'a pas dormi? Est-ce le râleur qui a fait du bruit? Est-ce la famille nombreuse qui a renchéri? Ou est-ce la bande qui crevait d'ennui? Bonjour, je suis en direct de Chambéry-le-Haut sur le marché Place des Combes où un bruit mystérieux a réveillé le quartier cette nuit. Je vais mener l'enquête pour vous. Oui, en effet, on était en train de dormir, c'était à peu près minuit, une heure, entre minuit et une heure du matin. Et j'ai entendu un gros bruit comme quelque chose qui explosait et je me suis demandé ce que c'était en fait. Et bon, je suis descendu et bon, j'ai regardé un peu autour de moi, puis je n'ai rien vu. Et puis ben, je suis retourné à mes occupations, quoi. Je suis retourné à la télé, puis ça nous a vraiment bien dérangé. Hein. Je vous remercie beaucoup, au revoir. Ah oui, 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 je l'ai entendu et ma réaction c'est plutôt, c'est très étrange, hein. Très étrange comme bruit. Ça fait même un peu peur, c'est mystérieux, je trouverai pas le mot qu'il faut, mais ça fait, voilà, c'est bizarre. Bon, effectivement, il y a eu effectivement toujours beaucoup de bruit dans ce quartier, mais concrètement, là, on peut dire qu'effectivement, c'est un bruit particulier. Oui, on a entendu, ça faisait comme un oiseau, mais un oiseau mystérieux, on ne savait pas ce que c'était. Bah ouais, j'ai entendu le bruit. Des bruits, il y en a beaucoup dans le quartier, mais là, ça, je me suis dit, un bruit comme ça, c'est trop, quoi. Il y a un bruit de trop, quoi. C'est, euh, c'est,
c'est tous les jours il y a du bruit, là il y en a un, après demain si des bruits comme ça il y en a plus, je vais plus pouvoir dormir tranquille quoi. Chambéry-le-Haut, l'enquête continue, à vous les studios. Mais qu'est-ce que vous me voulez avec ces délais, j'en ai marre et je veux rien savoir. Tu vas être beau pour la télé. Mais tu ne leur diras pas que je t'ai cousu l'autre soir, hein. Ouais, Anaïs, tu fais quoi comme ça, là? Je me prépare pour la télé. Non, mais t'as pas honte, ça va sortir dans toute la France. Non, mais regarde-toi un peu, regarde-toi. C'est bon, viens, on va se changer. Ouais, c'est parti. Et franchement, ça va pas. Hein. Ah, c'est clair que ça va. Ah, franchement, Anaïs, comme on est habillé, c'est de la bombe de balle, hein. Obligé, faut qu'on fasse une photo. Allez, c'est parti, mets-toi en position. Hein. Elle a fait péter le fil là. Oui, j'ai fait péter la montre Lacoste. Oh, ça rigole plus. Et moi j'ai fait péter le t-shirt Calvin Klein. Et moi le parfum Lacoste. Ah, c'est toi, tu vois, c'est un bon, t'en as un peu trop. Ah, il a raison. Ouais, je me suis dit, j'ai aussi le t-shirt et tu surnais, elle voulait pas de plus. Oh, là, c'est pire. Bah ouais, les sacs, t'as pas eu checker, qu'est-ce que tu veux? Alors, les gars, on est prêts? Bon, vas-y, va voir s'ils arrivent. Voilà, attends, j'ai mieux, je vais téléphoner à la télé. Ah, mais t'es fou, on va te reconnaître là. Ah, ouais, ah t'inquiète, j'ai tout prévu. Ah. Ah, là sur Jamel, là c'est bon. Oh, là, merci, vous m'avez. T'es un cousin. T'as assuré là. Ah, vas-y, elle est la télé là. Mais qu'est-ce que tu prends une cagoule là? Comment vous le dire là même? Vas-y, parle. Faut trouver un truc. Vas-y, attendez, moi j'ai une idée. Vas-y. On va faire fumer le quartier. Terrible. Oh là là, là. Bah ouais, les gars, qu'est-ce que ça à faire en ce moment? Bah ouais, c'est ça. Ah les gars, on crame une poubelle. Allez, pars-toi, tu fais pitance. Ah, j'ai une idée. Vas-y. On va cramer une voiture. Terrible. Tu crois, Adèle, elle va venir pour une voiture, franchement? C'est mieux qu'une poubelle, déjà. Elle va pas venir pour une voiture aussi, hein. Ah, vas-y, on le trouve un truc, là. Vas-y, mais attends, il me faut de quoi calculer, là. Bah, attends, tiens, c'est mon portable, je te mets un calculette, tiens, classe. Voilà, alors, 4 plus 5 plus 7 multiplié par 42 est égal à... À quoi? Vas-y, est égal à un bâton de dynamite dans chaque montée. Oh, putain! C'est terrible. Ah les gars, soir ce... La Tessu va qu'écra. On va foutre le dawa. Hello. Pour que la télé vienne nous interviewer, on se faufile dans toutes les montées pour poser des bombes et les faire péter. Ce sont encore les petits frères du Tchekar qui ont frappé car ils en avaient marre d'être manipulés. On va brûler le quartier pour se faire remarquer. On va tout faire sauter pour se faire filmer. Y'en a marre d'être oublié. Tu vois, nous prennent qui pour des voitures télécommandées. On va leur en donner les pauvres dires qui croient nous manipuler. On va tout brûler, personne ne pourra nous arrêter. On sera les boss du quartier, personne ne pourra nous en empêcher. On sera les boss du quartier, personne ne pourra nous en empêcher. On sera les boss du quartier, personne ne pourra nous en empêcher. Chez nous, il n'y a pas de demi-mesure. Chez nous, il n'y a vraiment pas d'imposture. Chez nous, il n'y a pas de demi-mesure. Chez nous, il n'y a vraiment pas d'imposture. Pour exister, faut passer à la télé. Pour nous, jeunes de quartier, c'est un métier. Saper de la tête aux pieds en Lacoste des quartiers. Qu'est-ce qu'il y a? Tu frimes sur ta cité? Chez nous, il n'y a pas de demi-mesure. Chez nous, il n'y a vraiment pas d'imposture. Chez nous, il n'y a pas de demi-mesure. Chez nous, il n'y a vraiment pas d'imposture. Inconscient, la télé profite de tes éclats. Exprès pour nous montrer que les dégâts, c'est la génération vide. Pour certains, c'est ton image qui coule. Chez nous, il n'y a pas de demi-mesure. Chez nous, il n'y a vraiment pas d'imposture. Chez nous, il n'y a pas de demi-mesure. Chez nous, il n'y a vraiment pas d'imposture. Chez nous, il n'y a pas de demi-mesure. Chez nous, il n'y a vraiment pas d'imposture. Maman, ça craint. Les garçons veulent tout faire sauter. Ils font leur rage parce que la télé ne vient plus. Qu'est-ce qui se passe? Les garçons préparent des grosses bêtises. Qui, mon fils? Tous, ils sont tous sous le passage. Ouais, c'est vrai, on les a vus, nous aussi.
Oh là là, ils vont tout faire péter. Quelle catastrophe. C'est pas possible, je vais appeler mon mari, il va arranger ça. On s'en fiche de ton mari, rien à cirer. Après tout, c'est notre film, on se débrouille toute seule. Surtout que son mari, il dit beaucoup, mais il ne fait jamais rien. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, calmez-vous, vous êtes grave, c'est pas le moment de nous disputer. Après tout, on a qu'à faire maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? On fait une grande fête pour le quartier. Alors, on l'a fait? Oui, mais toi, tu ne touches à rien. Il faut s'organiser. Yo, Adama, la surprise va arriver, oye, oye, la surprise va arriver. Yo, Juma. Oye, oye, la surprise va arriver. Ha, yo. Oye, oye, la surprise va arriver. Éteignez vos télés, venez vous rassembler. Amenez vos bébés, invitez vos mémés. Mettez vos habits d'été, c'est le moment s'amuser. Oye, oye, la surprise va j'ai mon portable, Guillaume. Ah ouais, bah, le portable, tu parles moins en deux temps. Non, 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 non. Ouais, ouais, ouais. Eh, j'ai mieux tenu un petit tombe. Oh, oui, encore une fois. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Tu la regardes, surtout tu me la montres pas. Donc ça claque. Soit je regarde pas le jeu, soit je regarde le jeu. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir un groupe extraordinaire, unique au monde, et qui a la jeunesse dans le cœur, les Affronteuses. De la vieille à la grand-mère, elles sont nombreuses. Pleines d'idées, de volonté, toujours présentes sur leur quartier. Elles sont l'âme de leur montée. Sur leur destin, elles prennent le pas et la violence ne passera pas. Le quartier sera transformé en piqueté, c'est leur volonté. Sur leur destin, elles prennent le pas et la violence ne passera pas. Le quartier sera transformé en piqueté, c'est leur volonté. Toujours là pour s'épauler et non pour ragoter. Inquiète, normal, elles ont de bonnes raisons. Ça pose des questions sur l'avenir de l'Europe. Ici,
hâte de passer à l'action, mettre en commun leur réflexion. Leur destin, elles prennent le pas et la violence ne passera pas. Le quartier sera transformé en divinité, c'est leur volonté. Sur leur destin, elles prennent le pas et la violence ne passera pas. Le quartier sera transformé en divinité, c'est leur volonté. Pour éviter l'explosion, on organise un grand deux temps. On sent des plans blancs. Tourbillon. Non, mais non pas péter les plans. La rumeur est toujours là. Les affronteuses d'enfants pour cas. Sur leur destin, elles prennent le pas et la violence ne passera pas. Le quartier sera transformé en piété, c'est leur volonté. Sur leur destin, elles prennent le pas et la violence ne passera pas. Le quartier sera transformé en piété, c'est leur volonté. Sur leur destin, elles prennent le pas et la violence ne passera pas. Le quartier sera transformé en piété. Maman, t'as pété les plombs ou quoi? Et alors, ça t'a pas plu?